La lecture que j'ai faite par rapport à cela, que le projet vient à son heure. Parce que ce projet regroupe tous les corps de métier, il forme tous les corps de métier et ces gens-là aussi, ils s'insèrent dans la société parce qu'il y a des enfants qui sont autour d'eux, qui sont en train de former. Donc c'est une bonne chose. Le conseil départemental est bien là parce qu'il accompagne, il insère les jeunes dans la société, il les accompagne. Donc le conseil départemental a beaucoup d'agents dans les différents services qui sont à leur niveau. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté et de contentement et que le projet est venu à son heure. Au moment que nous tous, on est en train dans le sens de s'organiser, le projet vient appuyer donc cette organisation et qui met en link l'association donc FAP plus donc les maîtres artisans de la région de Kolda qui peut créer aujourd'hui ce qu'on appelle le consortium donc de la région de Kolda. Ce consortium ou bien ce corporation ou bien fédération que le nom qu'il aura donc vient régler beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'insertion sociale donc des jeunes et même des enfants. Et ce projet réussit ce pari, donc il y aura vraiment une totale satisfaction non seulement pour les artisans mais pour les parents donc des enfants et nous parents d'élèves et nous maîtres artisans aussi. Ça va vraiment régler ce problème que une tache d'huile donc sera mise vraiment dans la région de Kolda à cause de FAP. FAP a eu le flair, a fait de très bonnes choix et des idées très pertinentes en réfléchissant dans ce sens et en appuyant dans ce sens. Donc FAP, chapeau, vous avez vraiment réussi le coup kawam que je peux dire. Parce qu'en insérant les jeunes dans donc l'escolarisation d'abord, dans l'accompagnement des métiers, parce que après études, tes métiers, parce que ce n'est pas obligatoirement que après les études, tu vas réussir. Mais après études, il y a les métiers qui ne font pas des réussites, donc qui ne font pas des modèles de réussite. Et PAP a cette initiative qui a fait donc cet aspect escolarisation, accompagnement dans le métier, donc il y a réussite qui va suivre. Donc c'est une bonne initiative que PAP a fait aujourd'hui. Et voilà donc qu'il va réussir sa mission dans la région de Kolda, avec cette initiative et avec ce projet, vraiment c'est formidable. C'est dans le cadre du projet Accès à la formation et l'entrepreneuriat des jeunes en Casamance, comme je l'ai dit, un projet qui a été financé par la délégation de l'Union européenne. Il fait partie de ce projet-là, le fait de réunir les acteurs économiques, l'ensemble du secteur, en tout cas de la formation et de l'emploi des jeunes, autour d'une association ou d'une fédération. En tout cas, si les discussions vont nous conduire à choisir un peu le format. Donc, le but principal, c'est justement d'essayer de réunir ces acteurs-là qui vont donc porter les plaidoyers en faveur des enfants en situation difficile. Comment les accompagner, comment les aider à avoir un emploi, à être insérés. Donc, ça s'inscrit droit dans l'objectif numéro 3 du projet qui, donc, comme j'ai dit tantôt, permettra à tous ces jeunes, de manière générale, mais plus particulièrement des jeunes en situation difficile, d'avoir une porte d'entrée. Mais aussi, permettra également aux maîtres d'atelier, aux artisans, aux acteurs économiques, d'avoir une tribune, d'avoir en tout cas un lieu de rencontre où ils pourront donc discuter des éventuels problèmes qui gangrènent un peu leur métier respectif. Bon, si c'est dans le cadre du projet, nous accompagnons chaque année 100 jeunes, dont 75 à Ziguinchor et 25 à Kolda, à travers deux parcours, un parcours atelier et un parcours CFE. Le parcours CFE va finir par le parcours centre de formation ou bien le parcours collège. C'est-à-dire, on prend des jeunes qui ont abandonné l'école très tôt, on les place dans des salles de classe de CM2, leur permettre un peu de continuer leurs études. Une fois le CFE obtenu, nous les plaçons en centre de formation professionnelle. Pour une partie, l'autre partie, nous les amenons en collège si l'âge ne leur permet pas d'intégrer un centre de formation. Cela donc permettra à ces jeunes-là, à la fin, d'avoir un métier. Il y a d'autres parmi nous, d'autres jeunes qu'on accompagne à travers des projets, ça c'est l'objectif numéro 2, où donc les jeunes qui sont porteurs de projets, on les accompagne à travers la mise en œuvre de leur projet et à la fin, on leur donne une subvention qui leur permettra de mettre en œuvre leur projet. Donc nous accompagnons 300 jeunes. Et l'insertion, ça varie chaque année. En tout cas, nous faisons notre mieux avec les partenaires comme le Club Maître ou d'autres partenaires, les hôtels et autres. Nous parvenons à en placer certains.